Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette session sur Groovy, Groovy avec le style. Donc je suis Guillaume Laforge, je dirige le projet Groovy depuis pas mal d'années. Donc ça fait 11-12 ans, quelque chose comme ça. Depuis peu, j'ai rejoint la société Restlet, qui fait le framework Restlet, du même nom, et qui fait aussi la plateforme d'API API Spark. Donc si vous avez des API web à héberger, à manager, etc., vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur restlet.com. Donc Groovy avec le style. Donc ça fait, du coup c'est plutôt 12 d'ailleurs que 11, enfin 11-12 ans que je travaille sur Groovy, donc j'ai quand même accumulé, et aussi du fait d'avoir designé le langage, du coup j'ai, on va dire, une certaine légitimité sur le sujet. J'ai vu quand même pas mal de code Groovy à droite à gauche, et puis même dans le code Groovy que nous on écrit pour écrire Groovy lui-même, y a un certain style qu'on a adopté, des bonnes pratiques, etc., ou des raccourcis qu'on connaît, parce qu'on connaît évidemment bien le langage. Et en fait, j'ai envie de vous partager ce qu'on a appris, les choses qu'on aime bien faire, comment on aime bien présenter le code, etc. Des fois, ça va être des petites astuces, des raccourcis, donc je mélange un petit peu tout ça. Donc de quel style, voilà, en fait c'est ce que je voulais dire justement, de quel style on va parler. Donc c'est pas seulement voilà comment je vais aligner je sais pas mes accolades ou ce genre de choses là, c'est pas trop ça le sujet, mais effectivement comment on va arriver à composer les choses, les features, comment on peut en tirer parti, puisque des fois c'est un peu la combinaison de plusieurs features qui sont intéressantes et qui permettent d'avoir du code plus concis par exemple, et des fois c'est plus des petites perles, des petites bijoux, enfin des gems en anglais, c'est pour ça que j'ai mis ça comme image, des petites astuces. Voilà un petit peu l'idée de cette présentation. Et je vais faire ça donc avec mon expérience, vous proposer ce retour-là. Et d'ailleurs, je voulais quand même commencer par vous poser une question quand même. Qui fait du Groovy ou on a fait déjà un petit peu? D'accord, une majorité. Donc vous êtes quand même assez bien familier déjà avec Groovy. Parce que ça, c'est vrai que c'est une présentation, même ceux qui n'ont pas levé la main, qui ne sont pas familiers avec Groovy, je pense que vous arriverez à du fait que Groovy ressemble quand même pas mal à Java, vous ne serez pas perdu. Mais il y a des petites questions, petits quiz que je vais faire, où si vous connaissez Groovy, où vous allez pouvoir deviner. Parce que, en fait, donc l'idée, je vais essayer de faire illustrer chaque idée, chaque astuce, etc., par une image, et je vais essayer de vous faire deviner de quoi on va parler. Donc je vais prendre un premier exemple. Par exemple, je vous montre ça. De quoi je vais parler, par exemple? C'est un petit test, là. Hein. Ah, j'ai entendu, le Spaceship Operator. Donc on a un opérateur en Groovy qui permet de faire la comparaison entre deux choses. C'est inférieur, égal, supérieur. Et donc ça, par exemple, si on met A inférieur, égal, supérieur, à B, ça va nous donner -1, 0 ou 1 suivant que A ou B est plus grand ou égal à B. Donc c'est un petit raccourci. Et par exemple, quand on fait ses propres comparateurs en Groovy, on peut faire ça avec une closure super facilement. Et ben, pour comparer deux choses, on peut mettre A, spaceship, B, au lieu de faire le double... la composition, on va dire, des inférieurs égale supérieurs. Donc c'est un petit raccourci sympa, ou d'utiliser l'opérateur ternaire, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée de ce talk, des petits quiz, et vous faire deviner de quoi je vais parler. Donc le contenu de la présentation est pas mal basé sur cette page-là, donc que j'ai mise en ligne. Donc ça c'est sur le nouveau site groovy-lang.org. Avant on était chez Codehaus, mais comme Codehaus est en train de fermer ses portes, on a migré des choses ailleurs, et y compris le site web de Groovy. Donc groovy-lang.org, et voilà, c'est la page Style Guide, et dedans il y a tout un tas d'astuces dont certaines vont être présentées là. Donc vous êtes prêts? Yeah! Let's go! Alors, de quoi vais-je vous parler? Du clavier, oui, non, du point-virgule, exactement. Alors, le point-virgule. Pourquoi je vais vous parler de point-virgule? Et ça sert à rien les points-virgules alors, non mais... Donc par exemple, si je prends une petite classe comme ça, classe Hello Paris, qu'est-ce que j'ai, une petite variable privée, une méthode greet, et puis aussi à la fin, voilà, j'imprime le petit message, j'instancie, etc. Bah, tous ces petits trucs là, zigouigoui à la fin des lignes, bah, en Groovy on n'en a rien à faire, donc on peut les supprimer. Donc une des premières choses qu'on apprend finalement, ce qui est bien en Groovy, c'est la courbe d'apprentissage est super sympa quand on fait du Java, parce que finalement au début c'est pas grave si on écrit du Java, qu'on met des points-virgules, Groovy il les accepte. Mais c'est vrai qu'une des premières petites choses qu'on apprend souvent, bah hey, tu peux enlever les points-virgules. Donc on commence simple, on s'échauffe, et après ça va. Non ça, n'ayez pas peur, mais on va avoir des trucs un peu plus avancés quand même après. Une première chose. Donc la deuxième chose, tiens, un micro, qu'est-ce que ça pourrait vous évoquer? Ah non, non, c'est pas Elvis. Mais garde l'idée pour tout à l'heure. Mais ce sera un peu plus obvious, un peu plus évident, je pense, pour Elvis. J'entends pas? Non, pas les callbacks. Alors, pas un truc qui écoute. Parce que justement, là, quand on est, par exemple, un speaker à une conférence, on parle devant un... Public, public et public. Qu'est-ce que c'est que public? Un mot-clé, non, du langage de Java. Donc par exemple, je reprends, alors je l'ai remodifié un petit peu, ma petite classe de tout à l'heure. Donc Hello Paris, il y a public class Hello Paris, il y a public Hello Paris pour le constructeur, public string greet pour la méthode. Mais en fait, Groovy a fait le choix de dire que bah, par défaut, en fait, les méthodes et les classes sont publiques, parce que finalement on veut quand même les utiliser, les méthodes, les classes, hein. Donc on s'est dit on va mettre ça public par défaut, donc on fait comme si public était optionnel pour les classes et les méthodes. Après, si vous voulez dire c'est protected, c'est private, vous avez juste à rajouter le modifieur. Si vous laissez public, ça marche aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, c'est aussi une autre petite chose qu'on peut supprimer. Et par défaut, c'est public, parce que c'est une API, parce qu'on veut utiliser la classe par ailleurs, etc. Mais si vous voulez être explicite, il faut mettre évidemment private protected. Donc ça, c'est public, by default. Mais par contre, là, regardez bien, j'ai refait une petite modification par rapport... hop, je vous remets juste avant. Donc là, par exemple, j'ai bien dit méthode et classe. Mais par contre, on a, on a les private ici, là, pour message et name. Par contre, si vous aviez fait ça... qu'est-ce qui se passe en fait? C'est Groovy, il prend cette notation, on va dire, quand c'est des champs comme ça sans modificateur plutôt, je pense on dit en français. En fait, on crée, c'est les propriétés en fait en Groovy, ça va créer un getter et un setter associé. Donc on aura le private message, string message et private string name vraiment dans le bytecode, hein, on a bien un champ privé, mais par contre ça génère un getter, un setter. Donc cette règle de le mot-clé public est optionnel, oui, mais c'est pour les classes et les méthodes, parce qu'après ça peut être différent pour les champs. Donc pour la petite histoire, si vous mettez rien, donc ça crée un getter, un setter, ça fait un champ privé. Si vous mettez public, en fait ce sera comme un field public. Si vous mettez protected, c'est protected. Si vous mettez private, c'est private. Par contre, souvent j'ai une question. Est-ce que quelqu'un va me la poser? Voilà, la visibilité package, hein, ou package scope, enfin je sais pas, il y a plusieurs noms pour ce truc-là. En fait, du coup, ça c'est une des petites différences qu'on a quand même entre Groovy et Java, je dirais. C'est que si on veut avoir cette fameuse visibilité package, c'est-à-dire qu'en Java on met aucun modificateur, bah en fait, nous en Groovy, on l'a pas vu qu'on a cette notation pour les propriétés. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On utilise une annotation, c'est @packageScope, pour avoir vraiment la visibilité package. Donc je voulais quand même souligner ça. Ensuite, alors là, c'est un jeu de mots en anglais. Je vous donne quand même un indice parce que il n'est pas évident. Mais un jeu de mots en anglais avec, on va dire, un accent français. Je ne sais pas si ça va vous aider, ça. Alors, ça vous évoque quoi, ça? Le life cycle, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais c'est pas le life cycle. Et justement, à la fin de notre life cycle, c'est quoi? Après, on casse sa pipe, donc on meurt. En anglais, c'est quoi? La mort, c'est death. Okay. Et si les Français ils prononcent mal def, c'est def. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une image pour illustrer def. Ou j'aurais pu prendre quelqu'un de sourd ou quelque chose comme ça pour deaf and dumb ou des choses comme ça. Mais donc c'est pour ça celui-là est vraiment très tiré par les cheveux. C'est pour ça que je préfère donner des indices. Et en fait des fois quand je fais cette donc là j'avais déjà fait cette présentation là une fois en anglais. C'est une présentation toute nouvelle et je fais exprès à ce moment-là de prendre un accent très français qui prononce très mal les choses et du coup ça les aide à comprendre que deaf c'est def. Mais bref. Donc des fois ce que je vois dans du... Tiens, j'en ai vu l'autre jour, il y a quelqu'un qui me montrait du code Groovy, c'était hier. Et justement, je voulais lui dire, tiens, tu pourrais améliorer ton code. En fait, je vois, donc on peut utiliser def, le typage est optionnel en Groovy. Et du coup, bah, je vois des choses comme ça, comme private def string, def pour le constructeur, public def string pour une méthode. En fait, ce def là, et puis pareil pour la variable locale également. Donc la grammaire, le compilateur Groovy les accepte, mais ils sont inutiles. On a déjà défini où le type, ou par exemple pour le constructeur, je veux dire, on n'a pas besoin de mettre def. Donc tous ces def là, on peut les enlever, d'accord? Ça sert à rien et c'est pourtant quelque chose que je vois assez souvent. Et par contre, une remarque là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, il y avait... Ouais, parce qu'en fait avant je l'avais fait à Londres et j'ai changé mes exemples en hello, hello Paris, hello London. Donc là c'est Paris, hein. Faudra que allez, je le corrige en live. Allez, n'ayons pas peur. Attention. Voilà. Donc ici, tout à l'heure on avait string result. Et là, par contre, j'ai mis def result. Enfin, on n'est pas avec le typage optionnel, on n'est pas obligé de mettre le type de ces variables. Et quand vous utilisez, par exemple, le static type checking que Groovy supporte ou la compilation statique, encore une fois supportée par Groovy, de toute façon, on infère le type des variables. Donc, il n'y a pas besoin. En particulier, je dirais, dans le corps des méthodes, quand vous avez des variables locales, etc. C'est vrai que moi j'aime bien mettre def, mais sinon, et on va revenir là-dessus tout à l'heure, enfin ça sera à la fin de la présentation, sur justement les notions, enfin le conseil que je donne au niveau typage, parce que moi j'aime bien utiliser def par exemple dans les variables locales, mais par contre pour tout ce qui est contrat, c'est-à-dire la signature d'une méthode, etc., je préfère être explicite au niveau du type, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, celui-là il est facile, hein. J'entends pas très bien. Je suis un peu def. Non, c'est pas ça. Donc le return en Groovy est également optionnel. Donc par exemple, quand on fait string grit return, et puis là on a la gstring, en fait ce return là, il est pas nécessaire, donc on peut le supprimer. Et la règle, je sais plus si j'ai une petite bulle qui le monte, voilà. Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais donc comment ça marche, c'est que la dernière expression qui est évaluée dans le corps d'une méthode, c'est ça qui va être retourné. Si vous aviez une méthode void, évidemment, on retournerait rien. Mais en tout cas, une méthode qui retourne quelque chose, la dernière expression qui est évaluée, avant de sortir, si vous voulez, de la méthode, c'est ça qui va être le retour. Mais par contre, suivant votre style de programmation, par exemple, il y en a qui aiment bien faire des comment on dit en français, des early returns, c'est-à-dire vérifier des conditions, par exemple sur les paramètres en tout début d'une méthode. Dans ce cas-là, c'est tout à fait normal d'utiliser return et d'être explicite, parce que vous voulez sortir plus tôt et pas attendre la fin. Je ne sais plus si je le dis après. Donc des fois c'est pas mal aussi pour être clair. Ça me choque pas de voir du return si les gens mettent pas forcément qu'ils le mettent explicitement, ça me choque pas forcément quand je vois du code ou quand je fais une code review, ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi, donc, c'est que ça marche pour... bah si, je crois que je le montre juste après. Je vais pas... Par exemple, si vous avez un bloc if, else, if, else, etc. Bon, là, j'aurais dû mettre des accolades pour que ce soit quand même un meilleur style, vu que c'est plutôt ce que j'ai tendance à conseiller. Donc des fois, je me contredis moi-même. La dernière expression, ça marche aussi par exemple pour des if-else, pour des switch cases, et je crois que c'est tout. Donc là par exemple, si name, bah, y a red dedans, il y a green dedans, on va retourner ou 1 ou 2, ou sinon moins 1. Donc la dernière expression, elle peut dépendre effectivement de d'une conditionnelle, quoi. Donc, on va dire que c'est un peu comme si, en Groovy, en fait, les statements, un if, c'est un statement, malgré tout, ça retourne pas de valeur en soi, mais il y a quand même une dernière expression qui est celle qui va en dessous, on va dire, du, enfin, ou dans chaque branche du if, else, if, else. Voilà. Et donc, ça marche aussi pour les switch cases. Ah oui, si je voulais dire... ah oui, non. C'est pour le try-catch aussi qui est supporté. Switch case, c'est la même chose. Donc, si on tombe dans un des cas, hop, on va retourner 1 ou 2. Si on n'est pas dans ce cas-là, on passe dans le default, donc on va retourner -1. Puis bon, notez au passage que pour des raisons de... compatibilité copy and paste avec Java, on supporte le switch case avec les breaks et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas très joli, forcément pas très naturel en Groovy. Peut-être qu'un jour on proposera un autre opérateur, on n'a pas à mettre des breaks, mais bon, c'est pas, on l'a pas fait ça encore. Et donc ça marche aussi avec les try-catch. Donc là, la dernière expression, donc si c'est bien un entier, on peut dire qu'on va retourner, enfin si le parsing fonctionne, on va retourner true. Si il fonctionne pas, on va retourner false, parce qu'on va attraper l'exception. Mais par contre, je crois que j'ai une petite bulle, dans le finally, vu que c'est quelque chose qu'on exécute après, ça n'a pas vocation à retourner une valeur. Donc quoi que vous mettiez dans le finally, ce ne sera pas une valeur qui sera retournée avec cette règle de l'optional return. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Je crois que c'est tout, ouais. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est que ça? Des parenthèses, voilà, ça reste... Présenté comme ça, on les reconnaît quand même assez bien. Donc vous n'avez pas reconnu que c'était des bananes. Bon. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ce public-là, Devox, là, ils devinent tout en plus. Donc bah, println hello world, là on a mis des parenthèses. Voilà, vous pouvez les enlever. C'est pas compliqué. Mais par contre, il y a d'autres choses intéressantes avec autour des parenthèses, justement. Je crois que c'est ce que je mets juste après. Donc par exemple, en Groovy, on peut écrire quelques... Alors là, il y a plusieurs choses qui viennent en ligne de compte, hein, pour être capable d'écrire ça. Mais on est capable d'écrire ce genre de phrase. Donc ça ressemble à de l'anglais, hein, finalement. Move forward at 3 km/h. OK. Le seul truc qui fait peut-être pas anglais, c'est le fait d'avoir un point entre le 3 et le kilomètre. Bon, ça, alors suivant le cas, il y a des moyens pour arriver à... Dans ce cas-là, on pourrait presque... on peut arriver à s'en passer suivant le... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails des règles, mais on pourrait arriver à s'en passer des fois, suivant le DSL qu'on souhaite créer, le Domain Specific Language. Un des atouts, je trouve, de Groovy, c'est la capacité à écrire des sortes de petits langages métiers, parce que justement on arrive à écrire des choses qui ressemblent à une vraie phrase, quoi, en anglais. Et ça, en fait, ça utilise plusieurs choses. Donc le 3 km/h, c'est le fait qu'en Groovy on peut rajouter des propriétés sur, ou des méthodes sur n'importe quoi, même des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc par exemple les nombres, les integers ou numbers, je ne peux pas étendre ou rajouter des méthodes, hein, sur ces types-là en Java. Mais en Groovy, que ce soit en dynamique d'ailleurs ou même en statique, on a quand même la capacité à en décorer, on va dire, un type pour rajouter des méthodes ou des propriétés. Donc il y a cette petite astuce-là que j'ai utilisée. Il y a le fait que ce qu'on appelle les common chains, c'est le fait de pouvoir chaîner des appels de méthodes et justement supprimer les parenthèses et les points. Et en fait, ce truc-là, ça s'écrit, ça s'est parsé comme si vous l'aviez écrit comme ça. Donc en fait, cette notation-là, on découpe, on va dire, en verbe-sujet, en quelque sorte, enfin, nom de méthode, paramètre, nom de méthode, paramètre. Et en fait, move forward, c'est un appel. Donc move prend forward comme paramètre. Et ça retourne une valeur sur laquelle il y a une méthode at. Et la méthode at prend quelque chose, une valeur. Et le 3 km/h, en fait, c'est parce que on a un raccourci, la notation propriété, en fait, 3.km, c'est comme si on appelait 3.getKM, la méthode getKM. Et après, on a aussi la surcharge d'opérateurs. On est capable de redéfinir les opérateurs. Et un slash, c'est comme appeler la méthode .div, la méthode div. Et h, c'est une constante de temps. Donc on peut avoir aussi, et ça d'ailleurs, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça peut être une instance de la classe vitesse, quoi. Donc ça peut être très typé et ça peut être assez sympa du coup dans les DSL d'utiliser ce genre de choses. D'ailleurs il y a un JSR pour ajouter des différentes unités à Java. Je ne sais pas s'il sera dans le JDK 9 ou pas, mais c'est assez intéressant. Et on pourra proposer un support explicite là-dessus. Donc du coup là, les parenthèses on peut les omettre. Dans ce cas, donc on appelle les command change, où c'est des appels chaînés de méthodes. On appelle quelque chose sur quelque chose, etc. Et je vais prendre un autre exemple, c'est quand on utilise des paramètres nommés. Groovy supporte des paramètres nommés, donc c'est un peu la même notation que les maps en Groovy, clé de point, valeur. Et ce que j'aime bien dans cet exemple-là, c'est qu'en fait, on a l'impression que la séparation sémantique, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est check that, et après wine tastes good. Mais en fait, le parsing, c'est pas on évalue check that et ensuite wine tastes good, mais en fait, le parsing, ça se passe comme ça. Donc that wine, en fait, c'est un paramètre nommé. Donc tout ça, c'est le paramètre qu'on passe à check. Cet appel de check retourne quelque chose sur lequel on appelle la méthode taste, qui prend un paramètre. Après, je vous ai pas mis, on peut mixer. Là, j'ai mis à chaque fois un seul paramètre, un paramètre normal ou un paramètre nommé, mais on peut mettre aussi des virgules quand on a plusieurs paramètres. Donc du coup, on peut vraiment presque faire des phrases avec je dirais de la vraie ponctuation avec des virgules pour séparer les paramètres. Donc c'est assez sympa. Donc c'est un super use case. Enfin, le use case de ça, c'est les DSL. Mais en fait, on avait ça en tête quand on a proposé ces améliorations de syntaxe. On avait ça en tête pour pouvoir faire des domain specific languages. Et la dernière chose par rapport aux parenthèses qu'on peut supprimer. Donc ça, c'est... Je le dis au passage, donc on n'avait pas vraiment de nom pour ça, mais il y a des langages comme Apple Swift qui s'est inspiré de Groovy, et ils ont appelé ça le trailing closure. Donc quand on a une closure qui est le dernier paramètre d'une méthode, donc là regardez la méthode void unless boolean closure, en fait on peut sortir la closure des parenthèses de l'appel de unless. Donc là par exemple, donc là j'ai speed limit, et en fait je veux créer une sorte de if statement mais à l'envers, donc un unless, d'accord. Et le premier paramètre c'est l'expression booléenne qu'on retrouve ici, et la closure en fait elle passe en dehors des paramètres. Donc ce qui est équivalent à, comme si j'avais écrit ça en fait, speed limit, virgule, la closure, l'équivalent des lambda expression en plus puissant de Java 8. Il faut bien que je fasse un peu de... Bon. Parce que c'est vrai que nos closures font plus de choses que les lambda expressions de Java 8. D'ailleurs, bon, j'en parle pas dans cette présentation-là, mais partout où vous avez des lambda expressions en Java, en fait, vous pouvez passer une closure en Groovy. Donc si vous utilisez par exemple l'API de Stream de Java 8 avec Groovy, vous pouvez lui passer des closures Groovy plutôt que des lambda Java. Parce que là, à l'heure actuelle, Groovy ne supporte pas encore les extensions de syntaxe de Java 8. Parce que souvent, on a d'autres manières de faire. Par exemple, on a les closures. Mais bon, on va en supporter certaines, mais on n'a pas encore vraiment travaillé dessus. Mais ça viendra. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc ça, c'est marrant de voir que Apple a pris inspiration de ce qu'on a fait à Groovy. Donc c'est flatteur. Oh, pardon. Le micro, il bougeait un peu trop. C'est flatteur quand on a voilà, une boîte comme Apple qui fait son langage, son nouveau langage, et qui regarde ce que fait des langages, on va dire, moins mainstream que Java, C Sharp, etc. et qui prend inspiration sur Groovy. Donc trailing closure, c'est... la closure à la fin, qu'on peut mettre à l'extérieur comme ça, des parenthèses. Donc c'est pas tant enlever les parenthèses que de pouvoir sortir quelque chose des parenthèses. Alors ça c'est quoi? C'est une classe, je l'ai entendu. Donc c'est une classe, pourquoi j'ai parlé de classe? Donc en Groovy, la notion de classe c'est... comment je pourrais dire ça, first class citizen, c'est un des éléments, enfin ça a une vraie notion, comment je vais dire ça, c'est un élément en soi du langage. En Java on est obligé de décrire là comme ça, resource response .class. En Groovy on peut omettre en fait le .class, donc ça c'est vraiment équivalent, on peut l'écrire comme ça. Ce qui est intéressant aussi, des fois, c'est il y a beaucoup de frameworks maintenant qui utilisent vraiment beaucoup les annotations et qui passent des paramètres classe dans les paramètres des annotations. Et des fois, ça fait un truc super verbeux. Et en fait, les points classe, du coup, on peut les virer et c'est déjà beaucoup plus léger. C'est un peu la programmation par annotation. Il y a certains frameworks qui en abusent peut-être un peu trop. Donc, on peut supprimer le point classe. Alors celui-là, je l'aime bien. Est-ce que vous allez deviner ce que c'est? Vous vous y connaissez en chien ou pas? Un setter, c'est un setter, je ne sais plus quoi d'ailleurs, un setter irlandais, c'est un quoi celui-là? Un setter irlandais. Donc on va parler de setter, pas de chien, mais de getter et de setter. Donc bon, j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure des getters et des setters. Donc quand on a une classe, bon là elle n'est pas en Java, mais on va dire que c'est comme si c'était en Java, donc on n'a pas besoin de créer de getter et de setter, il suffit juste, donc au lieu d'avoir le champ, le set, le get, etc., il suffit simplement d'écrire string name, int age, et automatiquement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction, Groovy va générer les champs privés qui vont bien et les méthodes getter et setter. Si jamais vous voulez avoir un getter particulier ou un setter particulier qui fait quelque chose de plus compliqué ou de moins trivial que de setter la valeur ou de retourner la valeur qu'il y a dans le champ. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez faire du lazy loading ou ce genre de choses, par exemple, vous êtes toujours capable de le faire. Vous avez juste à implémenter votre getter et votre setter. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Groovy ne va pas supprimer ou surcharger votre getter ou votre setter. Hein. Il prend celui que vous lui donnez. Si vous en donnez pas, eh ben, il va générer le getter et setter classique qui vont bien. Et après, au-dessus de ça, ce qui est sympa, c'est quand même aussi les transformations d'AST qu'on propose, donc ces espèces de plugins de compilateur, on va dire. Par exemple, si vous mettez @immutable, vous pouvez rendre automatiquement la classe immutable. Si vous voulez vraiment implémenter immutable comme dans le livre Effective Java, même juste avec deux champs, faut se faire déjà la classe, il faut qu'elle soit final, il faut que les champs soient final, il faut faire du defensive copying, de la copie défensive des structures de données, parce que on retourne une structure, mais quelqu'un peut rajouter des trucs à la structure. Il faut implémenter equals et hashcode qui vont bien. Le toString, idéalement, il faudrait aussi qu'il soit le même entre deux instances, etc. Et en fait, rien que pour faire une vraie classe qui soit immuable, en Java, juste avec deux champs, vous en avez pour, je ne sais plus, j'avais fait l'exercice, peut-être 30, 40 lignes de Java. Alors qu'en Groovy, vous mettez @immutable et automatiquement tout ce code boilerplate, comme on dit en anglais, tout ce code technique répétitif pour implémenter un pattern comme l'immuabilité d'une classe, c'est fait automatiquement par le compilateur Groovy, par la transformation d'AST qui est déclenchée par @immutable. Donc on en a plein comme ça, des transformations d'AST qui sont très utiles. J'ai mis aussi canonical parce que c'est plutôt l'opposé, on va dire, d'Immutable. C'est pour avoir quand même les mêmes equals, hashcode, etc. qui sont générés, mais sans rendre la chose immuable, c'est-à-dire que vous pouvez toujours changer le nom, changer l'âge, etc. Donc c'est un petit peu l'opposé. Il y a beaucoup de transformations super sympas. Et du coup, voilà, allez, 4 lignes, en comptant la collade, ça fait 3 vraies lignes de code. En 3-4 lignes, vous avez fait quand même une classe immuable par rapport à 30 ou 40 lignes de Java. Donc un ordre de magnitude de différence. Donc avec les propriétés, les getters, les setters, on a aussi d'autres petits raccourcis. Donc on a cette notion de, je sais plus si j'ai des petites bulles, j'en ai pas. On peut utiliser la notation propriété, c'est-à-dire p.name, en fait ça va appeler p.getName, la méthode getName. Le p.age égale, ça va appeler le setAge sur l'instance. Et aussi ici, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on n'a pas défini un constructeur qui prendrait quelque chose de particulier, en fait, on a cette notation-là. On peut utiliser des clés de point-valeur, séparées par des virgules, pour passer des paramètres, pas au constructeur, mais en fait, Groovy, ce qu'il va faire, il va appeler le constructeur par défaut, et ensuite appeler les setters, setName et setAge. Donc c'est un raccourci pour rapidement instancier, là, ici, une personne, et de setter automatiquement le nom et l'âge, sans avoir à faire p.name, p.age égale, etc. Alors celui-là, pensez plutôt en anglais, hein, celui-là. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois que je l'ai entendu. Argument, ces deux personnes ont un argument. Bon, ils sont en train de s'engueuler. Si on le dit en français, ça ne va pas vous aider à trouver, mais argument, je vais parler d'argument justement. Donc là, j'en parlais justement déjà, de toute façon. Du coup, je devrais peut-être le mettre avant celui-là. Donc, c'est ce que je disais, c'est l'explication que je venais juste de donner, qui est de... Automatiquement, donc, ça appelle le constructeur par défaut, et après, ça appelle les setters, setName et setAge. C'est tout ce que je voulais dire, mais je ne me rappelais plus que je l'expliquais dans le slide d'après. Donc, je pourrais l'expliquer avant, éventuellement. Donc une autre chose qui est intéressante, donc ça permet de, voilà, en une seule ligne d'instancier la personne, mais là c'est une transformation qui est assez récente, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a rajoutée, si c'est dans la 2.4 ou là dans la version 2.3 de Groovy. Donc là à l'heure actuelle on est en version 2.4. On a rajouté une transformation qui s'appelle @builder, qui permet de faire en fait toutes ces interfaces un peu fluent ou humaines. Des fois on voit ce nom-là. Donc c'est-à-dire le fait de pouvoir comme ça chaîner des méthodes et instancier une personne en appelant ces méthodes de manière successive. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette notation-là, du coup, comme c'est des appels de méthodes chaînées, si vous vous rappelez des common chains que j'ai expliqué tout à l'heure, vous pourriez aussi le faire sans points, sans espace, etc. Donc, vous pourriez mettre, même si une API a été implémentée qui utilise ce pattern-là, du coup, vous bénéficiez aussi de la syntaxe sympathique où on peut enlever les points et les parenthèses. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Oui, on a plusieurs stratégies, parce qu'il y a différentes manières d'implémenter ce pattern-là. Donc celui-là, je crois que c'est le truc par défaut, mais on a différentes manières de faire. Donc il y en a par exemple où au lieu de faire .name, c'est des setters, mais des setters qui retournent en fait l'instance en elle-même. On a aussi, donc là, le builder, c'est une sorte d'instance statique sur la classe personne, mais on peut avoir une autre classe person builder qui est générée, etc. Il y a différentes manières d'implémenter ça, et en fait, vous pouvez utiliser un paramètre de la notation @builder pour dire la stratégie que vous voulez implémenter. Et je crois qu'on peut faire aussi implémenter sa propre stratégie, mais ça on l'a pas, je crois pas qu'on l'ait documenté. Donc ça c'est sympa si vous n'utilisez pas en tout cas par exemple les paramètres nommés du constructeur de Groovy. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voyez ici? Des cupcakes et le égal qui est sur les cupcakes. Donc c'était ça qu'il fallait voir. Alors le égal en Groovy. Donc il y a plein de choses. Il y a différentes choses sur le égal. On va parler de... Enfin non, il ne faut pas que je le dise parce que sinon vous allez deviner du coup mes petites astuces tout à l'heure, mes petites questions. Donc ce qui est intéressant en Groovy, bon, il y a une différence entre equals et égal-égal. C'est aussi une des différences qu'il y a avec Java. Quand vous faites égal-égal, c'est vraiment de la comparaison de... Comment on dit? Enfin d'instance de référence et non pas de comparer si les deux instances sont equals comme selon le contrat de la méthode equals. Et en Groovy, en fait, au lieu d'écrire par exemple status différent de nul et status equals, etc. En fait, je sais plus si je le fais en deux étapes, donc j'ai tout mélangé. En fait, on peut écrire ça comme ça, status égal control status completed, et en fait derrière ça va vraiment appeler quand même la méthode equals, et ça va aussi vérifier si par exemple ce qui est à gauche est nul. C'est-à-dire si vous faites un si Groovy faisait bêtement .equals sur status, on pourrait avoir une null pointer exception si status est nul. Donc on fait aussi le if qui va bien pour vérifier qu'on ne va pas balancer une null pointer exception. Donc c'est quand même une différence avec Java, parce que là, ce n'est pas vraiment le même égal-égal qu'on a. Et après, on va voir quelque chose, je crois que je le... Non, c'est encore après, mais on va y revenir un petit peu sur égal-égal tout à l'heure. Alors ça, c'est facile, on va parler de quoi? De quote, d'apostrophe, de guillemets, etc. En Groovy, il y a différentes manières de définir des chaînes de caractères. Vous pouvez utiliser des simples quotes, des doubles quotes, des triples simples quotes, des triples doubles quotes, des $/string, $ « une chaîne », j'en oublie encore. Il y a aussi la /string, juste avec des slash et... non, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. On a pas mal de manières de définir des strings en Groovy. Et dans les strings, donc on a nos G-strings, c'est-à-dire les chaînes avec interpolation de variables pour remplacer directement les variables dans la chaîne sans avoir à faire de la concaténation de strings et de variables et de strings et de variables. Donc ça, c'est sympa. Et là, le point en particulier, donc le point que j'ai en particulier là-dessus, c'est quand vous faites juste des vrais strings qui ne sont pas des G-strings, donc où il n'y a pas d'interpolation de variables, j'aime bien qu'on mette des simples quotes. Parce qu'au moins, c'est explicite, ça c'est vraiment, quand c'est des simples quotes, c'est des purs Java long strings, c'est pas des Groovy long G-strings, c'est vraiment des strings. Donc des chaînes constantes, j'aime bien mettre des simples quotes. Je le fais pas tout le temps par contre. J'ai pas toujours le, je sais pas pourquoi, mais ça m'arrive de pas le faire. Mais j'aime bien suivre en tout cas cette idée-là de mettre des simples quotes pour vraiment distinguer constante versus une chaîne où il peut y avoir de l'interpolation. Alors celui-là, j'ai eu du mal à l'illustrer. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est ça? C'est des constructions, on pourrait parler de constructeurs. Donc ça en fait, je vais parler de structure, parce que voilà, c'est une structure métallique. Donc c'était ça que je voulais essayer d'illustrer avec cette image. Donc en Groovy, on a des petits raccourcis de syntaxe sympas. Donc par exemple, pour créer des listes, donc c'est crochet et une liste séparée par des virgules. On a une notion de range, donc d'intervalle de valeur, donc on peut utiliser point point ou point point inférieur. Et d'ailleurs, Apple a encore repompé sur Groovy là-dessus, parce qu'ils ont pris aussi la même notation point point inférieur. Alors que nous, au départ, on avait pompé sur Ruby et qui prenait 3 points. Nous, on a décidé, non, nous, on va faire différemment, parce que 3 points, des fois, on ne voit pas bien si on a 2 ou si on a 3. Il est tard, on code tard, on a les yeux qui piquent et tout. Donc on va faire un truc plus différenciant. Et Apple a décidé encore une fois de nous pomper l'idée, on est très fiers. Donc on a aussi la notation de map, clé de point valeur, puis toujours les crochets. On peut créer des expressions régulières comme ça avec le petit tilde. Et on peut créer ses propres ranges, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on a de petits raccourcis de syntaxe pour des structures de données. Et là, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un kit de survie, j'ai entendu. Alors pourquoi je parle de kit de survie? J'ai pas bien, mais je crois que j'ai entendu. Des bugs? Non. Pas survivor, non. Donc kit, c'était le bon mot, hein. J'insiste bien sur le kit. Le GDK, le Groovy Development Kit, qui est en fait toutes les méthodes que Groovy rajoute ou que Groovy, comment il décore certains types existants. Donc le Groovy JDK ou Groovy Development Kit, en fait, c'est toutes les méthodes qu'on va rajouter, par exemple, sur les classes du JDK. Et en fait, du coup, on a une... Enfin, vous trouverez ça dans la documentation. Vous cliquez sur documentation et il y a un lien vers JDK, Groovy Development Kit, où on vous montre toutes les méthodes qu'on a rajoutées sur toutes les classes du JDK, que ce soit pour faire de... Pardon. Des entrées-sorties avec de la I.O., que ce soit, par exemple, l'opérateur overloading, la surcharge d'opérateurs qu'on fait, par exemple, sur les nombres, c'est aussi défini avec, en redéfinissant, en rajoutant des méthodes qui suivent la convention de nommage, opérateur-méthode, opérateur-méthode. Donc tout ça, il y a vraiment une mine de choses sympas Là-dedans, par exemple, sur les collections, pour filtrer les collections, etc., on a rajouté des méthodes qui prennent des closures. Donc, par exemple, list.each ou list.collect, list.findAll, etc. C'était des méthodes qu'on a rajoutées en décorant les types du JDK. Donc là, ça, de temps en temps, allez sur la page de la documentation et vous découvrirez des petits trucs que vous pourrez réutiliser dans votre code. Donc, il y a beaucoup de choses sympas là-dedans. Alors, ça c'est quoi ? Un switch. Donc on avait parlé des switches tout à l'heure pour les returns optionnels, et là on va parler des switches on steroids. Donc les switches en Groovy. Donc c'est vrai qu'on a quand même le point-virgule break, ou juste break si vous le mettez à la ligne, qui n'est pas très très joli, hérité de Java et de C, etc. Mais notre Groovy va quand même, notre switch va quand même plus loin. Depuis Java 7, ça supporte aussi les strings et je sais plus quoi, les enums peut-être bien. Donc en Groovy, depuis 10 ans, on supporte déjà toutes ces choses-là, plus d'autres choses. Donc par exemple, obj peut être un nombre, une chaîne, peut être une classe. Donc c'est pareil que si vous faisiez un instance of string. Si vous mettez une liste, en fait, il va regarder si obj, il tombe dans la liste, il est dans la liste. Donc au lieu de faire case 1, case 2, case 3, les stacked cases comme on dit, on peut les mettre comme ça dans une liste et il va vérifier que c'est dedans. Vous pouvez aussi vérifier que l'objet ici, sa représentation, soit c'est une string, soit la représentation toString de l'objet match un certain pattern d'une expression régulière, ou vous pouvez aller même encore plus loin en définissant une clausure, et là vous aurez une condition, une booléenne arbitraire, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc du coup notre switch va plus loin. Alors, de quoi je vais parler sur celui-là? Aliasing, ouais. Et l'aliasing de quoi? Donc c'est bien l'aliasing en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut aliaser comme ça en Groovy? Vous savez? Non, vous savez pas? Eh bien en fait en Groovy, on peut aliaser le nom des classes et aussi des méthodes d'ailleurs qu'on importe. Donc par exemple ici, alors ça c'était classique à l'époque où les IDE étaient bêtes et proposaient de AWT list en premier plutôt que Java Util list parce que alphabétiquement il arrivait en premier. Donc par exemple dans votre code, même si vous utilisez, dans cet exemple-là justement, les deux listes, en Java vous êtes obligé, il y en a un qui va être fully qualified et l'autre qui va être pas fully qualified, mais du coup c'est pas très joli parce que voilà, il y en a des fois c'est fully qualified et l'autre non. Donc par exemple quand vous avez un clash comme ça, vous pouvez très bien définir vous-même, redéfinir en quelque sorte localement pour ce fichier source-là le nom du type. Et des fois, il y a des classes avec des noms un petit peu longs. Window, constant, c'est assez long. Et donc, vous pouvez le mettre aux toilettes. Donc, je disais que ça marche. C'était facile, ça. Vous pouvez aussi, donc pour les statiques import de méthodes, vous pouvez aussi le faire. Donc, par exemple, si vous aimez pas parsint et vous aimez les 8y de C ou autre, vous pouvez du coup le redéfinir et avoir un truc un petit peu plus, plus concis. Alors, c'est quoi ça? Voilà, on swear, et on swear de faire quoi? De dire quoi? The truth. Et de quelle truth? De quelle vérité je vais parler? La groovy truth. Donc, je suis pas sûr que ce soit de ça que Obama est en train de parler, par contre. Enfin, s'il en parle, yes. Quoi qu'il y avait, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il y a 6 mois, un truc comme ça, il avait participé à un truc, là, il avait une casquette sur la tête, il avait codé en JavaScript. Je ne sais pas ce qu'il avait codé, mais bon, on aurait peut-être dû lui donner du Groovy dans les mains. Bref. Donc en Groovy, tout ce qui est... J'ai montré les petites bulles. Tout ce qui est nul, les chaînes vides, les collections vides, toutes les valeurs numériques qui sont égales à 0, tout ça, ça peut être évalué comme un booléen qui est faux. Par contre, tout le reste, tout objet non nul, toute chaîne non vide, toute structure de données non vide, tout chiffre, tout nombre non nul peut être évalué à true. Donc par exemple, quand vous passez un objet, une collection, un nombre, etc. à un if, en fait, automatiquement, Groovy va le transformer en la valeur booléenne en suivant cette logique-là. Donc c'est ce qu'on appelle la Groovy Truth. Et ce qui est fort aussi, je crois que je le dis ici, c'est qu'en Groovy, on peut personnaliser la vérité. Donc imaginez, vous êtes un homme politique, un avocat, ça peut être intéressant d'être capable de customiser comme ça la vérité. En l'occurrence, donc on a une convention, hein, c'est juste une convention, c'est pas une interface à implémenter ou ce genre de choses, non, non. Vous avez juste besoin d'un as boolean, une méthode avec cette signature-là, et retourner une valeur booléenne. Et du coup, par exemple, new account, donc la Groovy truth par défaut, c'est quelque chose qui est non nul, c'est vrai, quelque chose qui est nul, c'est faux. Mais là, en l'occurrence, on l'a customisé. Donc, par exemple, un nouveau compte, il n'est pas disable par défaut. Donc, ça évalue comme un booléen vrai. Et là, par contre, vu que je l'ai mis disable, le compte, ce sera, si vous le mettez new account, comme ça, un account qui est disable. Si vous le mettez dans un if, dans un while, donc quelque chose qui prend une expression booléenne, ou une méthode qui prend un booléen, on va le transformer en false, parce que justement là, on retourne false. Et puis, je ne sais même plus ce que je veux dire. Ah oui, si, je sais. Alors, qu'est-ce que ça peut vous évoquer, ça? Pas facile. Je vous dis quelque chose. Donc il y a la boussole, une notion de navigation. Ok. Et puis je vous donne un gilet de sauvetage parce que vous voulez être safe. D'accord. Vous voulez pas vous noyer. Donc safe navigation. C'est un peu rébut tout ça. Bon. On va parler de safe navigation. Donc c'est ça. C'est le fait d'avoir ce petit opérateur là qui est sympa. Le point d'interrogation point, qui fait en fait l'équivalent de ça, c'est-à-dire au lieu de faire quand vous avez comme ça une espèce de chaîne imbriquée, vous récupérez l'adresse du client dont la commande est order, là. En général vous faites ça, if order different nul, ensuite if le customer il n'est pas nul, si l'adresse du customer n'est pas nulle, alors vous pouvez faire quelque chose, donc vous avez des if imbriqués, ou alors vous faites un méga gros if. C'est pas toujours très sympa. En plus, si vous le faites, une différence aussi que je veux mentionner ici, si vous le faites en Groovy, order pour un get customer pour un get adresse, un truc qui est sympa en Groovy, c'est que la null pointer exception que vous avez, elle vous donne automatiquement, elle vous dit le customer était nul ou adresse était nulle. Enfin, order, enfin, ouais, non, il n'a pas trouvé le customer sur l'objet nul, ou il n'a pas trouvé l'adresse sur l'objet nul. Donc vous savez où est vraiment la chose qui est nulle. Alors qu'en Java, il dit null pointer exception, aucun message. Et donc pour éviter ça, et pour éviter ce genre de code, vous pouvez utiliser point d'interrogation, point, safe navigation. Dès qu'il y a quelque chose qui est nul dans cette chaîne-là, ça va vous retourner nul. Alors celui-là, c'est facile. L'assert, l'assert statement de Groovy, qui a été, en fait, qui vient du framework de test Spock. Donc, par exemple, vous avez un assert un peu compliqué avec des expressions, et en fait, si l'assert foire, l'assert est, on peut pas, enfin, il est activé par défaut, contrairement à Java. Ça va vous donner en fait les valeurs de chaque sous-expression. Donc, vous pouvez plus rapidement dans le message derrière, vous pouvez plus rapidement retrouver qu'est-ce qui allait pas ou où était l'erreur, sans avoir à faire plein d'asserts différents. Ça sympa et ça vient du framework Spock. Alors celui-là, il y a quelqu'un, c'est toi qui me l'avait dit tout à l'heure, on va parler de Elvis, l'opérateur Elvis. Donc l'opérateur Elvis, c'est ça, en fait, c'est une sorte de contraction finalement du... Alors ça utilise deux choses en fait, ça utilise la Groovy Truth et c'est un peu une sorte de contraction de l'opérateur binaire. Donc quand vous faites... name diff, vous voulez avoir en fait dans le result, là vous voulez avoir soit le nom, soit une valeur par défaut si le nom est nul. Donc vous pourriez l'écrire comme ça avec un opérateur binaire et ternaire pardon et un null check. Mais en fait il y a ce raccourci là. Donc si name n'est pas nul, enfin ou si ça Groovy truth n'est pas fausse, ça va retourner directement name ou sinon. Ça retourne cette valeur par défaut. Donc ça, c'est un petit raccourci qui est assez sympa. Et là, avant-dernière, faut que je me dépêche, avant-dernière astuce, de quoi je vais parler? Bon, c'est écrit dans le texte. D'exception. Une petite astuce, c'est... en fait, vous n'êtes pas obligé de définir le type de l'exception. En fait, c'est équivalent à un catch exception. Donc vous pouvez dire catch any, ou il y a un jour il y a quelqu'un qui m'a suggéré de mettre catch em all, Ça fait plus style. Donc ça marche pour les exceptions, hein, c'est pas pour les throwables. S'il y a un throwable, par contre, c'est pas pris. Donc c'est pour les exceptions ici. Et je vais finir sur ce dernier conseil, sur... Bon, c'est écrit encore sur le contrat. Et quand je parle de contrat, en fait, je veux parler de typage en particulier. Donc le conseil que je donne en général, c'est d'être vraiment explicite au niveau des types que vous utilisez pour tout ce qui est signature de méthode, propriété et champ. Parce qu'en fait, ça va vraiment aider pour l'interopérabilité avec Java. Au lieu que ce soit object de partout dans le bytecode, ça s'intégrera fatalement mieux avec Java quand vous mixez du Groovy et du Java. C'est aussi mieux pour la documentation des API, parce que dans la Javadoc, vous verrez, c'est de tel type, d'accord. Et évidemment, pour tout ce qui est autocomplétion dans l'IDE ou pour le refactoring, et l'IDE, il saura que c'est de tel type, donc il pourra faire des refactoring automatiques. Et voilà, merci pour votre attention. Et j'ai juste 1 minute pour une question. Timing serré. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question là-bas. Alors, je sais qu'il y a des micros sur les côtés, si tu veux bien l'utiliser pour que ce soit enregistré. Ouais. Et, ou sinon, sinon, je peux la répéter au besoin. Vas-y. Okay. Du coup, moi, j'ai une question, c'est ouais. Sur notamment la visibilité des propriétés. Ouais. On disait tout à l'heure que si on va avoir un getter, un setter particulier, il faisait de l'implémenter. Ouais. Mais si par exemple on veut juste modifier la visibilité, mais qu'on va avoir un getter ou un setter simple, est-ce qu'il vaut aussi l'implémenter ou il y a un moyen plus simple? Tu veux changer la visibilité de quoi? Du getter, juste d'un setter ou juste du getter, par exemple. Alors là, par contre, du coup, on est quand même obligé de redéfinir tout le getter ou tout le setter. Donc, même si c'est la logique normale du getter-setter, du coup, tu es obligé quand même de te la retaper toi-même comme tu l'aurais fait en Java. Ouais. Voilà, merci encore.